Bonsoir à tous, vous êtes très en retard quand même, hein. J'ai vu 200 personnes qui viennent de se connecter là en 10 minutes. Il est 20h19, je vous allais tous à la vie scolaire. Il y en a un ras-le-bol, on en a marre des retards et on va sévir là-dessus. Okay. On donne une horaire, vous respectez l'horaire. Et c'est marrant parce que quand je m'énerve, mon capteur cardiaque redescend. Et ça, c'est, je suis super chelou comme mec. Non mais je pense que t'es monté à l'envers, mec. Bon, Supra, ok, quel âge t'as ? 23 ans. Ok, combien d'heures de Rainbow Six, à ton avis, en tout ? Sur PC, je dois avoir 600, 800. 600, 800, quand même, putain la vache, un gros temps de jeu. Ouais, je l'ai poncé. En 6 mois... 9, mais je l'ai poncé. Ouais, bah 9 mois quand même, c'est quand même pas mal, quoi. Ok, c'est quasiment ça, 800, c'est un truc bien pour un gars qui a quasiment un an de jeu, quoi. Donc c'est condensé. Oui, bah tous les soirs, donc c'était ça le truc. Ok, du coup, le but c'est quoi ? C'est est-ce qu'on va chercher ce qu'il y a dans le in-game, ce qu'on expliquait la dernière fois, c'est-à-dire le diamant, ou est-ce qu'on veut taper au-dessus, c'est-à-dire... Non, moi je veux taper au-dessus, je veux être dans l'e-sport, moi. Ah ! Pardon, excuse-moi. Il peut y avoir des personnes qui sont meilleures que des joueurs Pro League en individuel et qui jouent tous les jours, et qui regardent par exemple, allez on va donner un nom, Bolo, c'est un joueur qui est très bon, qui est meilleur que certains joueurs Pro League à l'heure actuelle, mais vu qu'une la Pro League ça se joue à 5, si t'as pas de teammate, c'est extrêmement important. Donc ça c'est important. Ouais, la dernière fois on avait vu une personne qui avait un niveau en dessous et qui voulait se cantonner au in-game, c'est-à-dire son objectif c'était de rester et de progresser jusqu'au diamant. Moi je mets diamant, voilà, ça me fait plaisir, etc. Il n'y a rien. Après c'est un autre monde, quoi. Ce qui se passe derrière, c'est l'e-sport. Et c'est complètement deux choses complètement différentes. Pour être diamant, je l'ai déjà dit, il y a tout se passe in-game, d'accord ? Donc on peut trouver des potes in-game, tout peut se faire, enfin des potes, parce que c'est mieux de partir en solo. C'est mieux que de partir en solo que de partir avec des personnes. Donc ça, c'est important. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement important quand on a envie de faire de l'e-sport et que du coup, si on a envie de faire de l'e-sport, on a envie de trouver 4 autres joueurs, eh ben, on l'avait dit la dernière fois, mais très brièvement, c'est de se faire connaître. C'est ça. Or, comment peut-on se faire connaître ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de centre de formation de Rainbow Six, hein, il n'y a pas de Arsène Wenger de Rainbow Six qui va dire « lui, il est bon ». D'accord ? Enfin, ça peut arriver. Par exemple, un bolo, tu vois, forcément, les gens, étant donné qu'il s'est créé une image et qu'il a créé l'image du mec qui était monstrueux en solo, et bien forcément, les mecs ont commencé à se dire « putain, imagine bolo dans notre équipe parce qu'on a besoin d'un entry fragger ». Donc, se faire connaître, à partir du moment où vous voulez taper dans l'e-sport, ça veut dire que vous dépassez le cadre du privé. Vous allez dans le public. Donc si vous êtes en mode, vous avez un peu de mal avec votre image, etc. machin, bah oubliez tout de suite l'e-sport, parce que le principe de l'e-sport, c'est quand même de vouloir gagner des compétitions qui vont être streamées, où on va dire votre nom, où vous allez vous prendre des trucs dans la gueule, du genre, putain, il est nul, il n'y arrive pas, s'il changeait lui, etc. Vous en prenez plein dans la gueule. Donc ça, la gestion de la communication et tout, c'est des trucs qui viennent, et en règle générale, tu les prends dans la gueule et t'apprends, quoi. Hein. C'est comme ça, quoi. Tu tombes et tu te relèves. Oh putain, il m'a fait peur. Un caméra sur moi. Caméra sur nous, il y a une interrogation sur moi. Oh putain, on est mort. double clé mort, mec. Et si tu veux faire de l'e-sport, eh bien il faut soigner ça par exemple. Voilà, quand tu es jeune, attention à pas dire trop de bêtises parce que ce qui est sûr et certain, moi je peux vous dire, je vais vous donner un conseil ce soir si vous voulez réussir dans l'e-sport. C'est que 100% des trucs négatifs que j'ai pu dire sur un joueur ou une équipe, 100%, c'est pas 99%, à un moment, ça s'est toujours retourné contre moi. Tout le temps. La communauté, elle est petite et tout se sait. Et à un moment, tout se regrette. Tout le temps. Donc faites bien gaffe à ça. Quand vous dites un truc, non mais eux, ils puent la merde et tout, tu vas voir, 3 semaines après, ça va être ton collègue. Je sais même pas où je suis en fait là. Ça m'énerve, lui, il m'énerve lui. Putain, mais si tu meurs tout le temps, Supra, comment veux-tu que je te suive, quoi? Putain. Casu, laisse-moi me chauffer, j'ai pas joué. Ouais, bah, nous non plus, hein. Ah ouais, d'accord, donc on t'invite pour que tu te mettes en avant parce que ça en fait partie du coup. Hein? Là, tu pourrais peut-être faire parler de toi. Imagine, t'es un monstre. Allez, ce soir. Il y a un recruteur. Imagine, t'es un monstre ce soir. Et que là, par exemple, il y a Chassoudas ou Fabian qui passe. Parce que Fabian y passe de temps en temps. Et je sais très bien les raisons pour lesquelles il passe ce petit trou du cul. Il se renseigne très très bien. Il fait une veille sur tous les joueurs qui sont disponibles, pas disponibles, etc. etc. Alors, Fabian, pour répondre à ton dernier mail. No, I can't. With drunk Penta. I'm with
these four. I stay with us. I don't want to play with you. Dis merci à Supra de m'avoir offert deux subs de la part de Vivien NCL. Bah voilà, en fait, il est connu pour ça, Supra. Bah voilà, pour offrir des subs. Bah c'est pas mal aussi, hein, mec. Hein. C'est déjà... Non, mais c'est déjà ça. T'es dans la Pro League de la banque, hein. Vas-y, vas-y, on va voir comment tu drones un peu. Clear. Quoi, quoi, qu'est-ce que t'as dit là? Clear. Ok, ok, je te montre comment on drone. Parti. Tu commandes ton mec, ok? Let's go à droite. Fais gaffe, attends, attends, wait. Y'a rien dans la next. Y'a rien. Vas-y, tu peux push. Fais gaffe à ta gauche. Fais gaffe à ta gauche quand t'es déjà rentré, j'ai rien. Droite contact, y'a rien. On peut pusher, c'est au-dessus de toute façon. Soon, please. Attends, Mary, je drone pour toi. Je prends le relais. Stairs. Ouais, prends le relais. Stairs peut-être. T'es dedans, je prends. Y'a rien, Stairs, mec. Y'a rien, faites gaffe en bas, faites gaffe, Stairs. Bah, si, contact. C'est sur site, t'es sur site. Y'a une alibi de merde. Welcome to the Salty Academy. J'y vais, stop, j'arrête. Si je suis en train de droner, Supra, tu drones pas, Poulain. Je suis en train de faire en même temps. Tu pushes derrière. Autrement, ça veut dire que tu manques de confiance envers tes partenaires, c'est pas bon ça. J'en ai pris 3. T'en as au moins deux encore, Merrick. Bon, tu fais des spawn kills ou quoi? Tap. Mais allez, Supra, on va voir si tu sais faire un spawn kill. Je fais pas spawn kill sur cette map là. Ah non, mais attends, mets-toi là, je te la prends, celui-là il est extrêmement simple, ok? T'es prêt? Tu te mets ici là, à ma place, là, et tu vises là-bas là. Là, tu mets ton viseur exactement ici. Et il va décaler de la gauche vers la droite, le mec. J'ai rien de spoté. Pas grave ça, on s'en fout. Justement, ça va aller. Je vais me faire exploser. Mais non. Ok, stop, ils peuvent pas être là, autrement s'ils étaient spawn à 5, ça veut dire que... Ils ont pas spawn ici. Un pour Jackal est sur ma piste. Fais gaffe, Mary. T'inquiète, je t'assure. Ça c'était pas trop mal, hein, la petite tête, si ça avait été une tête, c'était pas trop mal. En vrai, j'ai un petit problème au niveau du crosshair placement, parce que si le mec passe en dessous, là, il l'a pas. Mec, c'est grenade, lui, là. Ouais, venez me chercher maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des interventions à faire par rapport à Supra, si vous lui demandez de s'habituer, s'améliorer. Voilà. Bon, là c'est easy. Si le mec rentre, lui il est mort de toute façon. Oh non! Non! Oh, gestion de clutch. Parfait, à toi. Non, pas bon. C4 le mur. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Wait. Je suis en train de commenter le jeu de Supra. Ouais. Et franchement, c'est pas ouf. Tout est bon pour le moment. Non. Tu dis ça parce qu'il paye tes subs. Je sais, mec, tu seras pas objectif avec lui. Moi, je vais être objectif. Mouvement qui sert à rien. Ton C4? Non, il est mal lancé. Tu l'as entendu poser. Non, on l'a pas entendu. Si. Ton casque est mauvais. Après. Dommage. Eh, mais c'est la même chose qu'un joueur de foot, par exemple. Est-ce que ce qui faisait la vitesse, la qualité d'un joueur comme Zinedine Zidane, je sais pas moi, c'était son shoot. Bon, le mec était parfait sur tous les plans, mais bon, il n'était pas connu forcément pour son accélération, par exemple, c'était pas non plus un mec très rapide. Mais il avait ce qu'on appelle clear, la vision du jeu. Clear. C'est comme s'il avait une caméra et qu'il voyait au-dessus. Câble clear. C'est pas vraiment clear, mec. Hein. T'as envoyé un drone, elle est allongée dans le truc là, dans le couloir, dans la réserve. Là où je suis mort, elle est allongée là. Donc droning de merde. Et c'est dur de commenter tout le temps hein, ce qu'on fait si on voulait faire les choses bien, mais... Il faudrait pouvoir commenter en live quoi. Alors là par exemple, tu vois, mon drone est trop près du mec. Donc je vais essayer de lui donner des informations plutôt que d'aller pique sur mon propre drone que je vais perdre. You have a Valkyrie on site, shotgun. Là je vais perdre mon drone, voilà, j'y vais. Si je connais la map, la Valkyrie, je pense qu'elle s'est déplacée, d'accord? Et si personne ne la push, je pense qu'elle est à peu près au même endroit, au niveau de l'imprimante, contact à gauche. Or ça devrait être par là, c'est là que je l'imagine. Décale. Elle était morte. Si je savais viser, elle était morte. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça. Là, je sais qu'en montant sur la table, je peux avoir une ligne sur la frosse qui pourrait décaler, d'accord? Là, il vient de tuer le deuxième, mon pote est là, elle va venir me jouer. C'est obligé, tac. Non, c'est... Que des choses comme Mais ça. Franchement, quand tu commentes comme ça, c'est de la boulette. Parce que là, on se dit, en fait, ce mec, c'est pas de la luck. Bah non, ça se travaille. Là, je pense que je vais essayer de décaler la porte qui est dans le connecteur. Il peut y en avoir un. C'est là que je me mettrais s'il en restait deux.
Merci Panther. Là je viens d'entendre rien. Fais gaffe, faut qu'il meure en face de toi. Il va essayer de me jouer au shotgun. Dio à toi et 6-4. Ben, et l'autre. Et moi. Ok, j'ai 1 minute 30. Je vais regarder si j'ai mon drone. Ouais, t'as ton drone. Et mon drone, faut que je le récupère. Sauf que j'ai fait du bruit, mais j'ai grave le temps. Ok, il va forcément être sur site. Ce qui va se passer, à mon avis, il va être sur ses maestros. Ou vu qu'il est en 1v1, il est en train de regarder les caméras. Let me play, bro. Ok, il est en B, vous l'avez entendu. Si vous avez pas entendu, vous avez un mauvais casque. Moi j'ai entendu, hein. Donc je vais le jouer à la porte, parce qu'il va le jouer forcément avec son ACOG. Je m'assure qu'il n'y a pas la caméra, etc. Au moment où je vais tomber, il va avoir l'information, il va me décaler à la porte, j'en suis presque sûr. Je vais le pré-shot pour le trigger. Là, c'est juste derrière l'imprimante. Moi, je crois qu'il est bien sur B. Je suis pas sûr qu'il y a rien. Là, sa tête était là. Là, j'y vais, il a plus de balles. Et là, je joue avec lui. Allez. Là, à la fin, il avait l'avantage quand je l'ai loupé. Donc j'ai fait ça, hop, il a tiré, j'attends, je le décale. Là, il a l'avantage. Si je vais le décaler, il m'attend, s'il est pas con. Donc tu fais ça, tu reviens. Et voilà. Et ça, c'est que des trucs comme ça qu'il faut essayer de travailler. C'est extrêmement compliqué de le faire en live parce qu'en plus, ça saoule les oreilles de tout le monde, j'en suis sûr. Non. Mais c'est que des trucs comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Si on s'analyse pas et si on se remet pas en question. Moi, attendez. J'ai tenté pendant toute ma life, j'ai commencé Counter-Strike dans les années 99, d'accord? Pendant 10 ans de ma vie, j'ai joué à Counter-Strike et j'ai jamais rien fait. Jamais. Jamais. J'ai été dans le top 10 des joueurs français.